pour la ventile parce que sinon. Appuie. C'est fait. Depuis quand? J'ai appuyé. Bon, ben voilà. Nous allons mettre la viande fondue à en venir. Alors, je vais faire portion par portion parce que je vois que là, ça va faire un petit peu trop. Ma poêle ne va pas saisir suffisamment. Voilà, hein, c'est peut-être un petit morceau de plus. Si c'est pour moi, c'est pas gourmand. Bon, voilà. Ça prend longtemps parce que la viande a fondu, elle n'aime pas trop la, la cuisson. Je rajoute un peu d'huile. Un peu juste là. Voilà, comme les graisses là. Voilà, bon. Et bon, à peine ici. Vous mangez bien de toute façon des hamburgers, des. Comment on appelle ça? Des steaks tartare, donc c'est pas nécessaire de super cuire. Donc ma viande a mariné déjà une demi-heure, 30 minutes disons, et ça donnait donc un peu de goût à ma viande. Et voilà, la terre est placée. Bouge pas. Bouge pas. Bon, c'est pas grave. Stop, stop. Appuie sur le stop. La position est une. Bouge pas. La caméra, et c'est comme si elle était posée. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, appuie sur le bouton rouge. On y va. On met la viande à revenir. Le gaz très fort. Un peu d'huile d'olive. Ça, c'est ma portion. C'est la plus grosse. J'ai fait revenir ma viande pendant 30 minutes. Macérer ma viande pendant 30 minutes avec des oignons, un peu d'huile, des herbes, sel, poivre. À peine revenu, manger des hamburgers ou des steaks tartare plutôt qui sont à peine cuits ou pas cuits du tout. Donc je pense que c'est pas nécessaire de super cuire. Voilà, un petit peu comme les crêpes, on fait sauter. Voilà. Là, vous voyez, ça ne dure pas très longtemps. J'éteins, je pars, je fais le graissage. Et voilà. Elle est pas belle. Alors, évidemment, j'ai préparé quelques petites chips à l'avance. Voilà. Pour les coups.